Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Doom Eternal. Donc on va se lancer un petit coup de campagne, alors on va pas faire très long. Vous avez vu, j'ai joué un petit peu, mais pas non plus très longtemps. C'était juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va faire un petit coup de campagne, je vais essayer de passer le monstre qui m'a buté la fois d'avant, juste avant que j'arrête. Et puis... je ferai une autre vidéo, on fera du multi. Mais là, c'est pour vous faire écouter voilà, ce que vous entendez là. Ce travail sur le son qui a été fait. En particulier sur les musiques. Qui envoie du lourd. On est sur Xbox One X. Je sais même plus par où faut que j'aille. Que je mette le module. Alors on a des modules sur les armes. Vous voyez, il m'a déjà niqué ma santé. Peut-être faut que j'arrive à niquer sa tourelle sur son dos. Faut que je bouge absolument. Il va falloir que je cours, que je prenne de la santé, que je prenne du bouclier. En fait, c'est ça, lui, faut. Absolument lui niquer son canon. Je me suis fait éclater. Et vous voyez, j'en suis là. Donc, il faut que j'arrive à lui niquer son canon absolument. Mais c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est un petit peu compliqué parce que je suis nul. Merde. J'arrive à lui niquer son canon absolument. Je vais pas y arriver, vous imaginez, je vais vous faire une vidéo, on va rester bloqué au début. Ah voilà. Là, j'ai éclaté le plus chiant. Là, il faut absolument bouger tout le temps. Faut absolument que je me... Je casse tout le temps d'ici. Je pense que j'utilise trop de munitions.
Ah, ça y est. Faut que je monte là. J'ai vu de la santé qui traînait là-haut. Donc on est sur ce qu'on appelle un fast FPS, hein. De toute façon je vais pas vous expliquer ce que c'est, je pense que vous le savez tous. Hop. Et on va récupérer un canon. Ok. Donc on est sur Xbox One X, donc le jeu est optimisé pour la One X évidemment. Ah, attendez. Trouver une station cartographique, de révéler des zones non découvertes de la carte. Ok. D'accord. Nous donne de quoi nous recharger, bon. Si ça peut nous éviter de... à court de munitions. Et surtout... Oh non! Ah putain, non. Il fallait qu'il suive là maintenant, bordel. J'ai pas vu où il était planqué en plus dès le départ. Alors quand ils sont bleus comme ça, il faut les finir à la main. Ça vous permet de récupérer des munitions. Je sais pas si j'ai pris le bon chemin. J'aurais peut-être pas dû aller par là. En fait. Eh merde, non. Bon, j'aurais pas dû aller par là. Bon, ça va parce que sur cette vidéo-là... même si je crève toutes les 3 secondes, ça reste dynamique. Allez. Oh putain.
Ah, je suis coincé. Putain. J'arrive pas à lui faire péter son canon, bordel. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter là. Je vais pas vous refaire 10 fois le même truc. Et on va partir dans le... Dans le battle... Ça s'appelait battle mode, battle zone. Je sais plus. Battle mode, ouais. Donc, on va aller regarder le personnage. Donc, vous avez... des trucs, voilà, vous pouvez personnaliser les armes, tous ces trucs-là. Bon, pour l'instant, j'ai rien débloqué, évidemment. Et donc, après, voilà, vous pourrez personnaliser vos persos. On a un truc d'événement. Alors, ça, c'est selon ce que vous faites, en fait, dans le... Oui, on s'en fout. Ouais, je m'en fous. Ah, ça c'est con ça, j'aurais bien aimé... Après c'est dommage... qu'il n'y ait pas un multi genre un peu à l'ancienne là, ah, je sais pas... À 8, à 9, 10 là, sur une carte, et puis voilà. Ça aurait été plutôt cool. Visiblement, il n'y a que ce mode là en multi. Après, moi je suis pas un fou de multi, mais bon, de temps en temps, je me suis dit, enfin, je me serais dit pourquoi pas, voilà. Moi, je suis niveau 1, eux ils sont niveau 7 et 4. Autant dire que s'ils jouent en équipe, je suis mort. Déjà munitions faibles. On va essayer de courir, on va se dépêcher. Parce que là, je suis pas vraiment en état. T'allais me battre contre eux. Mais en fait, c'est un peu ça. Hein. S'ils jouent vraiment en équipe, les mecs qui s'entendent et tout, c'est compliqué. Hein. Je suis mort. Manche perdu. Bon. Bah écoutez, on va refaire une manche, puis après on va pas aller beaucoup plus loin. Deuxième manche. Il
suis dans la merde, il y avait deux. Je suis mort. Je sais pas combien il y a de manches, mais bon. Que je fasse tout à l'heure en fait. On va tenter de bourriner hein. J'ai aucune chance mais... Je me suis fait éclater. Comme ça, on a gagné de l'XP à la fin. On va quitter le salon. On va aller voir ce qu'il y a dans les extras. Dans les extras, donc, ouais, voilà, il y a les récompenses par rapport à ce qu'on fait dans la campagne et tout ça. Et les crédits. Bah écoutez, je pense qu'on va pas. Il y a quoi après? On va pas aller plus loin, c'est pas une très grosse vidéo, mais bah, de toute façon vous avez vu, il n'y a pas besoin de faire beaucoup sur Doom pour comprendre à quoi ça ressemble. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine et surtout, restez confinés, moi c'est mon cas, j'ai travaillé les trois premiers jours, mais ayant une ALD et étant personne à risque, je suis confiné totalement et arrêtez d'être con et restez tranquille. Chez vous. Salut tout le monde.